Ça commence là? Je crois que ça commence, les copains. Ah, ça a commencé là? Ça a commencé, je pense. Ouais. C'est la pub de The Voice? Fais-moi confiance. Moi j'adore ça. C'est beau ça. C'est beau. Très beau. C'est incroyable. Ah bah, alors là, on est très surpris. Bonjour. Ah ouais, alors ça, c'est... Est-ce qu'on peut commencer par te féliciter, sincèrement, voilà. Franchement, il n'y a que ça à faire, déjà. Tu t'appelles comment? Je m'appelle David. David. Eh ben, ah, mais moi, David, je pensais vraiment voir un griot. Eh oui, parce que ce que tu proposes, c'est tellement ethnique qu'on est là, on écoute, on en profite, c'est super bien fait. Mais on ne projette pas, on ne se dit pas, après, on va aller chanter du Radiohead ou du Jacques Brel. Mais c'est vrai que tu crées vraiment la surprise après quand on te voit. Et c'est super, hein. Ah ouais. Ah non, mais t'es un pur artiste. Voilà un talent intéressant. Il arrive, il ramène son matos, il a loué une camionnette, ça lui a coûté une blinde et personne ne se retourne. Ah mais c'est une catastrophe. C'est comme ça qu'on reçoit les artistes. C'est quoi tes influences? Parce que t'as une voix magnifique. Hein. Merci. J'ai fait Jazz in Marciac, qui est un collège de jazz. Ouais, on fait de la flûte à bec, on fait du jazz. Donc là, j'ai découvert l'improvisation vocale. Et puis après, j'ai fait un peu de conservatoire. Mais en fait, je suis batteur à la base. Ouais, ça se voit, batteur percussionniste. Mais la voix, c'est vraiment ce que je veux faire dans la vie. Et là, je me suis dit, bon, bah, j'ai une opportunité de montrer qui je suis vraiment. En fait... J'ai ramené ma maison un petit peu ici pour vous donner l'idée de qu'est-ce qui se passe dans mon salon en fin fond de l'Ariège, les montagnes. Là, en fait, vous nous avez montré un peu tout. Oui. Un petit peu de ci, un petit peu de ça. C'est une démonstration de votre champ des possibles musicaux, avec en plus la voix qui est vraiment, vraiment très belle. Ah ouais. Mais moi, j'ai bien aimé surtout quand ça commençait à partir avec le pied et les éléments musicaux qui nous permettaient de commencer une chanson. Et puis, elle s'arrêtait pour revenir à un autre parfum. Là, on change d'endroit, puis on va dans une autre baie, dans une autre crique. C'est super, mais est-ce qu'on doit d'abord présenter la cuisine ou d'abord présenter un élément en disant c'est ça que je fais, et puis après montrer toutes vos possibilités? Ouais, c'est très tentant de faire ce que vous avez fait. Moi, peut-être j'aurais fait pareil que vous. Hein. J'essaie de comprendre. En tout cas, vous avez énormément de talent. Ouais. Une chose est sûre, et je trouve ça vraiment bien, c'est magnifique. Bah, qu'on ait ça, nous, qu'on puisse avoir une fenêtre pour des artistes de ce gabarit qui sont des artistes de haut vol. Parce que où est-ce que tu veux qu'ils s'expriment à la télé? En prime time. C'est rare, quoi, tu vois. Chez nous. Bah, là, dans les boys, tu peux.
Et tu peux nous expliquer quand même ce qui s'est passé en fait, parce qu'il y a plein d'instruments. J'ai l'impression qu'il y a même eu des styles. Tu peux nous faire une petite démo où on te voit, parce que là, excuse-moi, tu as teasé ma curiosité. Goni, qui vient du Mali. Ça c'est très beau. C'est ça. Le bébé de la harpe africaine. J'ai commencé avec le bol de cristal et d'or. Aïe. Ensuite, on est sur le handpan. Handpan, ouais. Instrument du 21e siècle, assez récent, basé sur les fuselages d'avions. Ah. Oh, yes. Super. Exact. Calebasse. Et ici, j'ai une petite graine aussi. Ouais. Ah ouais, d'accord. Oh là 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 là. Je peux regarder ton instrument deux secondes? Ouais, je t'en prie, je t'en prie. Ah oui. Marc, tiens, prends ça. Voilà. Et avec ton poing. Ferme, voilà, exactement. Et tu continues à shaker. Je shake. 1/2, voilà, c'est ça. C'est 4. Et un coup, tu vas faire fermé, ouvert. Fermé, ouvert. Fermé. Yeah. Ça demande un peu de temps, ça. Ça tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Quoi, c'est la super, voix. Super. T'as ouais, un instrument ouais, mais aussi, c'est, toi. Attends, c'est un instrument génial. Il a une voix incroyable. Là, comme il a jamais avec toi. On s'est régalé, hein. Oh là là. Ah ouais, t'es champion de l'impro. C'est dommage. J'aurais vraiment aimé. Tu ramènes la coupe à la maison. Non, mais il a eu peur. Il t'a vu jouer avec ses trucs. Il s'est dit, je regarde la coupe en cristal. Pas toujours avec la coupe. Je veux dire un dernier truc. Merci pour ce moment. Salut. Belle route. À très bientôt. Salut. Ciao.